de cette rencontre entre Paris et Limoges. À Beaublanc, Limoges qui reçoit le leader du championnat. Le gardien, l'assistant, l'adjoint Raúl González, et puis sous les ordres de Thierry Péreux. Et cette passe. Et bel arrêt. Le Kouchan qui lui ne se trompe pas. Avec un oubli de la défense parisienne. Kouchan qui s'est baladé derrière. Et Elohim Prandi, nouvel arrêt. Bah, il nous fait un début de match incroyable. À Gauthier y va. C'est un rempart, c'est un mur, c'est un rempart. Steins, Prandi qui s'élève. Voilà, enfin Elohim Prandi. Il a eu du mal sur ses premières tentatives cette fois. Tourchenko qui a de l'espace, qui va y jouer le duel. Oh voilà le bambarré de la part de Yannick Gray. Fernandez. Oui, Fernandez dans l'officialisation, j'y suis arrivé du départ. Putain, sur le porteur du ballon. Ah, ça c'est bien fait à l'intérieur. Et cette fois-ci, il ne va pas. Jeu dans la profondeur, 2 contre 2. Entre Elohim Prandi, ça va être récupéré par Luc Steins, le plus rapide, la montée à 2. Karabatic, Steins, qui va pouvoir. Ah bah non, qui ne va pas terminer, parce qu'encore une fois, on a Gauthier Iva qui se perd. Hein. Ouais, attention, la dernière passe, c'est Ewan Carvalet qui doit tirer, qui tire. À Paris, oui. Avec Beyens qui va venir renforcer les rangs. Non, parfois. Ah, voilà. Le décalage jusqu'à Gréby qui va pouvoir trouver la faille. Mathieu Gréby, son premier but, et Paris qui mène 3-1 après avoir concédé. Ouais, le décalage peut-être non. Il est allé directement. Ewan Karvelek. Classique de Gaillot. C'est prendre sa retraite à la fin de la saison. Il disait qu'il est impatient de vivre sa nouvelle vie. Oh, mais c'est incroyable. Une fois. C'est incroyable. Oh, le début de match de Gauthier Iva. Il y en a combien d'être à 7 arrêts déjà, je pense, non? 6 arrêts officiellement. Là, à chaque terrain, c'est plutôt embêtant pour les Limougeaux parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Et ça, c'est bien. Gaillot qui va aller au bout. Le 7 mètres. Non, pas de. Non, pas de. Là, ça défend bien, là, côté Limougeaux, ça a bien verrouillé. Prandi qui trouve la faille. Son deuxième but pour Elohim Prandi. Cette fois dans l'intervalle externe. De vitesse au jeu de Limoges, là, parce que faire des passes transversales comme ça, ça va pas changer grand-chose sur la défense parisienne. Et encore un jet de 7 mètres. Un jet de 7 mètres pour une défense en zone, a priori, parce que Dragan se retrouve surpris d'être servi. Et deuxième but pour l'ailier Limougeau. Tir à effet, au coup. Il se lève. Il va falloir déclencher. C'est ce que va faire le demi-centre parisien. Il y aura 2 minutes. Ouais, 2 minutes en plus. C'est la double sanction là pour Limoges. C'est Erstich, on n'est pas content. Eldera qui cherche des solutions. Le bras armé pour trouver la lucarne. Le magnifique but de l'arrière de Limoges qui reste au contact de. Bonne passe, ça. Ah, c'est, ça, par contre, c'est trop facile pour les Parisiens. La connexion Prandi. Ah, ça défend bien. Sur le poste de pivot, on voit Luka Karabatic là, qui revient de blessure. Hein, qui était à la passion, qui prend de la vitesse. Regardez, tac, les premières prises d'appui, ça crée le décalage. Gréby. C'est très bien fait. Voilà, ça, c'est propre pour les Parisiens qui prennent 2 buts d'avance. Qui se montrent un peu moins timorés, les Limougeaux. Là. On a l'impression qu'ils respectent trop les Parisiens presque. Alors, le 7 mètres obtenu par Karvelek pour une défense en zone, en tout cas, c'est ce qu'indique M. Picot. Ça ne plaît pas, la défense. Mais ça ne suit pas, en tout cas, dans les phases offensives. Yaïc, sans souci. 3 sur 3 au jet de 7 mètres. À l'image de Tourchenko, hein, qu'on n'a pas vu, qui a été remplacé par Alberto, ça restait très latéral. Très beau tir. Tonessen qui surprend et la défense et Gauthier Iva. Prêt à contre-pied, le gardien. Karvadek, Eldera. Et ça croise un petit peu plus là sur la base arrière. Iglesias. Et encore une fois, on retrouve Yannick Green qui plonge bien sur cette frappe. Prandi. Allez, avant que la défense de Limoges ne soit en place. Elohim Prandi. Oui, qui est lancé. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça va en fait. Hein. Ah oui, de Gibelin également sur le terrain qui est pris. Hein, qui est pris par grosse route ensuite de Gibelin. Attention. On va... Un changement de gardien. Les mêmes conséquences. Toujours Gaïc qui arrive à s'imposer dans ses tubes. Il a raison.
on passe à autre chose maintenant. Lüchsteins avec Tonetsen. Ce sera à côté. Sûr. Ouais. Pas dire pour dépanner, ça serait porté offense. Très beau tir. Tir très intelligent de la part de David Iglesias qui se sert du défenseur. Prandi en position de demi-centre. Ah non, ah, il aurait pu y aller. Hein. N'est pas assuré cette passe. Ogando, Ogando. Et Raúl González qui réclame une faute sur Elohim. Prandi, l'arrêt de Yannick Green, mais il ne pourra pas s'imposer deux fois. Ogando qui avait bien suivi pour permettre à Limoges d'égaliser à 9 partout. Et tout, parmi les plus calmes oui. des Espagnols. C'est ça. Vraiment. Mais ils contiennent, ils gardent à l'intérieur. Rémi. Ils sont en difficulté, les Limougeaux, sur ce côté-là. Ah oui, oui. Alors que la situation. Alors on essaie de trouver le pivot Limougeaux, voilà qui est fait. Et il va réussir à ça. Il passe détourné par Elohim Prandi. On le retrouve, Elohim Prandi de l'autre côté qui était. Pas du tout d'accord avec le choix de l'arbitre. Kouchan. Allez, apporter un peu de vitesse, apporter un peu de verticalité. Ah, c'était trop compliqué ça. Surprendre. Gibelin. Contre-attaque. Parfait. Premier poteau. Le tout droit. Gibelin. C'est bien, ça va lui faire du bien. Lui, ouais. Paris qui reste sur une courte victoire hein, face à Chambéry. Ce sera en 7 mètres évidemment pour la défense en zone. Il faut reprendre les automatismes. Gaïc, c'est parfait pour l'instant sur les jets de 7 mètres. Coché hein, sur la base arrière. Prandi. Oh, c'est bien fait ça, encore une fois. Cette connexion. Prandi Kupchak. Main de saison, il y a de bons pivots entre Luka Karabatic et Šipšak. Vous parlez de pivot, eh bien, on vous parle de gardien avec Yannick Green qui s'impose face à oui. Kouchan. Et puis il y a de bons pivots, oui, mais il y a surtout des passeurs assez. Les arbitres qui lèvent le bras. Il va falloir tirer pour les Parisiens avec Prandi. Ce sera de loin et ce sera dedans, encore une fois. Elohim Prandi. Il n'a pas le temps de plaisanter hein, aujourd'hui, Elohim Prandi. Il aurait donné incompréhension encore pour les Limougeaux. Ça passe également au Mathieu, très efficace aujourd'hui. Et encore un break, hein, premier break presque réalisé par les Parisiens. Le plus gros en tout cas. Ouais. Le plus gros et tout de suite. Alberto Contreras pose son. Iglesias. Il faut que Limoges arrive à tenir, à revenir même avant la mi-temps. Ce serait bien. Voilà. Lui, c'est vraiment la valeur ajoutée hein, pour Limoges, Eldera. Il a vraiment. Ne pas compromettre toutes ses chances en fin de période. Le 7 mètres, ouais. Très logique pour la défense en zone. Encore un travail, on va dire, préparatoire. Soit à la finition ou à la création. Et là, même Prandi est précieux pour Paris aujourd'hui. Šipšak ne pose pas de questions. Ils n'ont pas eu beaucoup. On verra. Avec l'interception. Et son gardien, ça devrait aller pour David. Voilà. Et attention, ça commence à faire beaucoup là pour. Pour Limoges. De la part de Limoges, ça bascule à droite à gauche, mais il n'y a pas de percussion, il n'y a pas c'est de. C'est exactement ça. Et il ne gagne pas les duels. Ça, c'est bien parti. Très bien parti de la part d'Iglesias. En mode submarine, là. Lanceur de baseball avec ce bras qui part sur le côté. Ah, le pivot, encore une fois. Et oui. J'ai 7 mètres encore. Ah, il y a les pieds qui traînent dans la zone. Pour voilà. Qui peut également faire mal hein, sur ces 15 dernières secondes. Ogando qui passe à travers l'interception. Timmy Petit qui coupe la zone pour venir arrêter David Balaguer. Et c'est le coup. Et voilà qui est fait. Šipšak qui permet donc à Paris de rentrer au vestiaire avec cette avance de 5 buts, 19 en difficulté. Oui, en difficulté notamment. Maître de la folie, maître de l'intensité, c'est ce qu'a dû demander Alberto Entrerios à ses hommes pour attaquer cette seconde période aussi bien là. Mathieu Grébi dans le secteur central, associé à Luka Karabatic. Et Turchenko en demi-centre, et bien c'est le symbole clairement d'une équipe. Šipšak, Steins. Nessen qui arrive finalement à s'imposer. Non plus, hein, qui était positionné. Oui. Le tir, ouais, ballon perdu par toucher. Farouk Youssouk, Jenilson Montero Varela également, qui vont faire leur apparition dans la rotation de Limoges. Oh, Steins, ouais.
Mais par contre, si on donne tous les ballons aux Parisiens, là, c'est donner le ballon pour se faire battre. Hein, mais Tourchenko, regardez la conséquence. 2 minutes de jeu en seconde période. Tourchenko qui a été transparent en première période. En deux. Le retour donc d'Iglesias. Carvalhal, très bon tir croisé. C'est arrivé à donner du rythme. Parce que 6 buts contre Paris, c'est presque difficile à remonter, presque insubmersible, mais Limoges en est capable. Voilà, c'est. Voilà, par contre. Avec ses caractéristiques-là également. C'est bien ce que réalise David Iglesias hein, depuis qu'il est. Et Dragan Gage n'a marqué que sur G7 mètres. Il n'y a pas eu de tir du tout. Tenessen au premier poteau. Bon, en tout cas, deux blessures. Kervanek avec Green qui avait tout compris, attention. Il va pouvoir être bien étoffé pour ce match important. Bien sûr. Ah bah il y en a des numéros 44 maintenant un peu partout en Mandra. Pas certain. Iglesias, voilà enfin un ballon qui va sur l'aile. Et enfin, on voit un Maximo Gando utilisé, ce qui est trop rare pour Limoges. Enfin. Il va falloir répéter ça. Oula, pas loin de l'interception. Dit ballon perdu. Ah oui, bonne agression. But simplement de Paris, profiter de cet avant. Encore. Steins. Oh oui. Facilement. Oh là, ouais. Facilement. Ah bah il passe sous les bras. Hein. Luke Steins. Face à Kouchan, très passif. Triple MVP du championnat de France. Et la réponse derrière. De ceux qui sont autour du terrain et qui vous permettent d'avoir ces belles images, ces beaux ralentis. Et l'arrêt ! Et bien là aussi, ça va encore être l'occasion d'avoir un magnifique ralenti. Là, Steins. Prandi. Encore une fois ! Dino Slavic ! Et entrée également de Wallem Peleka. Et en défense. Oh, le magnifique arrêt encore une fois. Et c'est repris. Il y a une écrite, mais c'est repris, oui, par Kervanek. Qui traînait par là avec Mathieu Gréville. Il était face à avec le petit jeune hein, du groupe. Exactement. Parisien. Voilà, c'est pour garder la confiance. Exactement. Il fait des dégâts, dégâts et il en fait à double titre. Ce sera une deuxième exclusion pour Kouchan qui est dépassé. On pensait qu'Eldera allait tenter sa chance, mais ce ne sera pas le cas. Iglesias finalement. L'écart qui s'est stabilisé autour. Après, il faut aussi avoir le joueur. Hein. On parlait de couper Steins du jeu. Il faut avoir un joueur capable, qui a les jambes, de le tenir en un contre un. Oui, bien sûr. Évidemment. Tif où tous les postes sont occupés par des joueurs de très haut niveau. Et c'est donc dangereux à tous les endroits du terrain. Marchand servi une nouvelle fois par Steins. Allez, on verra. Allez, qui va essayer de percuter. C'est bien. Et il les tient bien. C'est son troisième. Oui. Hein. De but comme ça par en dessous. Oui, ces joueurs-là, que sont Prandi et Tenessen en rythme. Ah, Iglesias. Et encore un ballon. Qui regarde derrière et surtout qui regarde devant. D'où le temps de jeu aujourd'hui, peut-être pour Prandi et Tenessen, assez conséquent. Et Yannick Green encore, il est en train. Comme lors du match aller avec ses 19 buts. Oui. Il ne va pas en être long aujourd'hui. C'est bien vu. Rébi qui va heurter le poteau. On est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Et il est passé bien Eldera. Qui a temporisé avec le dribble. Tout le monde se demandait un petit peu. Est-ce que Paris va gérer cette avance? Donnez 7, ça c'est bien fait le décalage. Avec une défense centrale, Limoges qui s'est disloqué. On éteint Iglesias aussi. Et ballon perdu, c'est bien défendu de la part de Luka Karabatic. Il n'y a pas de gardien. Luke Steins, le passé, il se promène. Ah ouais, les Parisiens à 2 contre 3. Et pourtant, oui, j'allais dire, il y a plus de défenseurs que d'attaquants. Et on a l'impression, c'est peut-être péjoratif de dire ça, peut-être un peu méchant, mais on aurait dit des plots. C'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs en mouvement, ce sont les 2 Parisiens. Et regarde. Bonne dizaine, peut-être, de pertes de balles, là, les Limoges sur cette route. Ah, oui, et but vide. La punition. C'est terrible. Oh là. La part des Limougeaux qui il doit être rappelé David Iglesias, le retour non pas. Et en plus avec Yannick Green qui a pas envie de. Qui a été bon hein, face à Montpellier où il a assuré grosse partie de. Et voilà, qui marque dès son premier ballon.
de faire. Et c'est malheureusement, ça. Limoujo, ballon perdu, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal, et là, ça peut être l'effet inverse. Lorsque vous avez un public comme ça qui va être médusé et qui ne va pas trop accepter le PSG. Interdiction de se prendre une fessée. C'est interdit. Et bien, cette saison, et c'est assez rare pour être signalé, Flensbourg aura remporté les deux derbies. À suivre, s'ils sont capables de battre Schaffhausen dans le play-off. Marchand, impeccable. Si Limoges ne percute pas, ne perfore pas la défense parisienne, Paris en revanche. Kolenek. Il prend tir. L'arrêt de Green une nouvelle fois. Holm. Ballon perdu. Jouer. C'est temps peut-être désormais avec Caldera qui va jouer dans l'axe avec Timmy Petit. Tout seul, comme un grand. Caldera et Iglesias sont vraiment les. On voit, vous voyez en bas de votre écran. Magnifique. Ah, il en est capable. Petit coup de poignet de Holm. Il y a Adama Keita également qui est entré en jeu. Du coach parisien de Raúl González. Et belle défense d'Eldera, la contre-attaque pour Guillaume. Attention, pas de contact avec Grena. Il va le dépasser. C'est bien joué de la part d'Andrea Guillaume. Qui a sauté, mais sans aller vers la cage en allant sur le côté. Alors c'est évidemment un petit peu plus fouillé. C'est paradoxal et c'est un constat aussi frustrant pour Alberto Entrerios. Le premier set, la base arrière du premier set est passée à travers. Bien sûr. Donc il faut remettre tout le monde dans le rythme et plein de dernières minutes. L'arrêt. Ah, mais lui, il aura été impérial. Hein. Avec laquelle vous pouvez voyager, hein. On est assez serein. Il y a suffisamment et d'expérience et de qualité sportive et mentale. Mais la feinte de tir croisé, ensuite le tir côté bras, lucarne. Complètement lâché. Et puis on l'a dit, préparer la suite. Hein. Préparer les autres rendez-vous. Tchouchenko, lui. Il doit préférer qu'il force plutôt que de le voir disparaître et ne faire que des passes. Oui, puis jouer. Et surtout, ce qui lui a coûté sa place sur le terrain, rappelez-vous, Léo Plantin bien servi, l'angle est ouvert, le tir premier poteau, deuxième but consécutif pour lui. Ce sont trois pertes de balles. Allez. Bien pris par Pelika, tir par en dessous. Magnifique. Erstich. Il y avait Lénissaire. Hein. Tout à l'heure. C'est un sans faute en championnat. Et il va falloir continuer. Là, c'est à ce moment-là où il fallait être capable d'enfoncer le clou. Ce qu'ils n'ont pas pu faire les Limoujos. Ce qu'ils ne se sont pas... On en restera là, Fred. Avec ce championnat de France, Limoges en championnat continue d'être invincible.